Et yo Mina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragon. On se retrouve pour la suite de Soul Eaters 2. Dans le dernier épisode, donc, on en a su sur la réelle identité. On a su plus sur le Masque de Fer et Raven. Au final, on a affronté Masque de Fer et on l'a vaincu. Sans aucun souci, c'était pas spécialement compliqué, honnêtement, ça a été tranquillou. Maintenant, Fig a tous les Covenants et on doit se rendre à l'Axis parce que Flamma nous a demandé de venir. Donc pourquoi, je ne sais pas, on verra bien. ソウルハックを失敗させた彼女が本当程度で済んでいるのは極めて幸運でしょう。そうだね。ところで何の用？アイオンが新たな未来予測を検知しました。コベナントを全部集めたからね。そりゃ未来が変わってないと困るって。これで私たちの任務は完了か。Attends, ce qu'on a vu, c'est que Fig a tous les Covenants et elle va appeler l'être suprême pour tout détruire. Donc Fig, ce serait vraiment... à moins qu'elle va péter un plomb ou à moins que c'était son objectif depuis le début. Donc c'est elle qu'on va devoir affronter pour pas que l'avenir soit détruit. どうしてフィグなの？それは一番近くにいたあなたが分かっているはずです。フランマ、このビジョンは世界の終わりなの？あるいは始まりなのかもしれません。え？アイオンの使命は世界の終焉を阻止すること。フィグが何を行うにしろそこを履き違えることはありえません。リンゴ、あなたがそうであるように。故に私はその問いを肯定も否定もできません。何が起こるの？不明です。あなたはこれについてどう思う？私に思うはありません。それは人型を与えられたあなたたちに特有の思考形態です。私行かなくちゃ。Wouah, donc Fig sera notre adversaire. À moins qu'on arrive à l'empêcher avant, mais ça veut dire que c'est elle qui va activer les convenants pour qu'il y aurait une sorte de fin du monde ou de commencement. Wouah. Pour l'instant, c'est un peu flou encore, mais... Ah, j'aimerais pas qu'on l'affronte, ce serait con, parce qu'elle fait partie de notre team depuis le début. Fig-wa ! Sakki dete itta wa yo. 少し風に当たってくるとか。そんな、連れ戻さなきゃ。おいおい、ちょっと過保護すぎねえか。フィグ、ずいぶん調子良さそうだったぞ。何かあったのか。まだわからない。だけどフィグを、
未来予測で何か見たのか？マジかよ。まさかフィグがコベナントを持ち逃げしたってのが？まだわからないでしょ。リンゴ、フィグには繋がらないの？うん。すまない、俺たちがついていながらフィグが行きそうなところを手分けして探そう。俺はコマドリに行くよ。何か分かったら連絡を取り合おう。オーケー。じゃあ俺はカラクチョを見てみる。あいつマンチャ好きだったみたいだしな。リンゴ、悪いことばかり考えていても仕方ないわ。そうだね、行こう。Donc on devra aller fouiller la ville en quête de Fig. Donc elle a dit qu'il fallait voir Mancha. Mancha, de la Mancha. Est-ce que c'est vrai qu'il faut aller là? Et au, à l'orphelinat? Tu cherches quelqu'un, Madame Fig? C'est ta coéquipière. Monsieur Saizo m'a interrogé... à son sujet aussi il y a un peu moment, mais oui, elle était bien là il y a peu. Oh, j'adore cette musique. Elle n'avait pas l'air dans son assiette, elle a perdu son portefeuille ou quelque chose dans ce genre. Monsieur Saizo. Ok, Monsieur Saizo. Monsieur Saizo. Ok. Donc, Monsieur Saizo. Monsieur Saizo, qu'avez-vous à dire? Saizo! Figo! Oh, Ringo! さっき店員ちゃんに話聞いたんだけど、やっぱフィグ、何をするでもなく店内をブラブラしてたそうだ。あいつらしくねえよな。俺、もうちょい探してみる。まだこの辺にいるかもしれない。後輩たちにも声かけてみるわ。わかった。OK、サイゾー、donc il a pas d'indice ici。え？フィグ、désolé, je connais pas qui c'est。J'ai vu サイゾー passer en courant tout à l'heure, c'est un rapport? Ah, on peut demander à tout le monde?Fig, qui est-ce? Ben oui, tu connais pas Fig? Vu que je t'amène dans notre club, c'était très intéressant ton club. Ok, tu la trouveras si tu le peux. Non. Ah, peut-être au Chris. Oula, toi t'es un peu louche. Mais ça se trouve, t'es au Crétaceus. On peut peut-être en savoir plus.Ah bah non, on a été à De La Mancha et ça y était pas. On va aller au Crétaceus. Peut-être qu'il... Monsieur Sephiroth en sait beaucoup plus. Monsieur Sephiroth, vous en savez? Je vois ton regard que la situation est pressante. Soit je vais devoir de mon côté si je peux recueillir des informations. Merci Sephiroth. eh ben...On va aller à l'orphelinat. C'est un des lieux qu'on sait. Fig, non, je ne connais pas. Donc maintenant, c'est... Bah, ils disent de fouiller la ville. Bah, moi, je voudrais déjà aller à l'orphelinat. Peut-être qu'on en saura plus en allant là-bas. Ah bah voilà, elle est là, Fig. On la voit sur l'écran de chargement. リンゴか。一歩遅かったみたいだ。フィグはついさっきまでここにいて、子供たちに食事を用意してたらしい。早く見つけないと。一人で抱え込んじゃダメなんだよ。俺もう少し探してみる。何かあったら連絡するよ。よろしくね。Je suis en train de me dire, ça se trouve c'est à cause des covenants que les gens deviennent tarés. Qui deviennent un peu...En mode, je perds un peu les pédales. Ça se trouve, c'est ça, hein. Je suis en train de me dire, hein. Ah, elle est là, je la cherchais. Hontou nano? Ah. Fig nara, saki made kite ita yo. Totemo odayaka na yōzu datta.見てるこっちが心配になるくらいにね。フィグ、
リンゴ、やっぱりフィグここに来てたみたい。うん、私も他の場所を探してみる。Bah si tu cherches là et que moi je dois chercher ailleurs, voilà quoi. Ouais bah, mais c'est normal, ils connaissent pas Fig. On est passé comme ça à chaque fois devant. J'ai pas le courage de lui parler. Zola, 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 Zola. Ok. Hein, Fig? Ouais, évidemment, la marque de vêtements, c'est ça? Fig. Non mais non. Une femme qui te ressemble, pas vue. Je l'aurais pas remarqué si elle était plus mignonne. Je ne l'aurais pas remarqué si elle était plus mignonne que moi. Enfin, personne n'est aussi adorable que moi, donc j'aurais pu la rater. Ouais, en gros, j'ai compris, tu sers à que dalle. Cousin, tu sers à rien du tout, tu sers à R. Ah. Ringo. Fig, yokatta. Anata ima doko ni iru no? Safe house de matteimasu. Ah bah au refus, c'est bon. Bah elle avait l'air un peu en mode trop calme. まだ具合悪いの？一旦フラーマのとこに戻ってオーバーホールだね。大丈夫、もう世界の終わりなんて気にしないでいいんだし、その後でゆっくりコベナントについて考えよう。ゆっくりだって。私たちも随分人間みたいになっちゃったね。ねえ、なんとか言ってよ。もう待って。私はやめて、言わないで。ここにはいられない。フィグ、一人の人間が抱えた絶望すらほぐせずして、何がアイオンでしょう。私は彼が闇に落ちていくのを見ていることしかできなかった。それは違う、フィグ。あなたは精一杯やった。あのソウルハックでフィグは死ぬかもしれなかった。あれ以上何ができたっていうの？そうじゃないんです、リンゴ。人が抱えるあんな闇を、絶望を知ってしまったら、私はもう元には戻れない。だから私が全てを終わらせます。レイブンの思いを遂げようっていうの？あんなものに頼らずとも、私がこの世界に存在する争いと悲しみの連鎖を消し去ってみせます。そんなことできます。今の私にはそれが理解できます。アローに、サイゾーに、ミレディに、よろしく言っておいてください。待って、行かないで。ごめんね。
リンゴ、フィグ。行っちゃった。もうここにはいられないってさ。フィグはコベナントを使って何をしようとしているんだ。フィグはレイヴンの思いを遂げようとしているんだと思う。まさか大いなる存在を。戦いを終わらせるって言っていた。悲しみの連鎖をなくすとも。もしフィグの言うような世界が実現すれば素晴らしいことなんだろうな。だけどこれまでみんなが夢見たそんな世界を実現できる簡単な方法は。ああ、手に入らないからこそ尊いって考え方もあるぜ。それを手に入れようとあがく姿勢こそが本質ってな。もちろん私たちは争いや理不尽が続く世界で傷ついてきた。だけど私は過去の痛みと傷をそれなりに愛しているの。だけどフィグはそう思わなかった。私何にもフィグのこと分かってなかった。なんだ、分かってるのか。いや、だから分かってなかったって。そんじゃ行くか。そうね。行くってどこに。は？決まってるだろ、フィグのところだ。あんたレイヴンとの戦いの前に俺に言ってくれただろ。でもフィグはもう私とは仲直りするには、いや、そもそも喧嘩をするにしたってまずは話をしてからだろ。あなたたちは仲が良すぎた。いや、そうやって決めつけて話をしなさすぎだったわね。そうかもしれない。私とフィグ、思いは同じだって決めつけていたのかも。でもあなたたちはそうじゃなかった。みんなそれぞれに違う思いを抱き。ああ、それが人間だ。アイオンだってそうだろう。だからリンゴとフィグはその姿を与え。そう、そうだね。そんなこともわからないなんて。自分のことになってみると案外わからないものよ。ね。きっとまだ間に合う。今から走ればきっと。俺たちはあんたたちに借りがあるんだ。だから今度は俺たちが力を貸す番だぜ。リンゴ、あなたはどうしたい？私は。Je veux la gifler, je veux lui parler, je veux la voir, je veux la gifler. Je veux la voir et je veux lui mettre une claque dans sa. je vais lui parler. 話をしに行こう。だな。まずはフィグが何を思って何をしようとしてるのか話をして確かめようぜ。なあなあじゃダメだぜ。これはあんたたち二人の友情のこれからの話になるんだからな。友情、なんかこそばゆいけど、うん、そうだね。フィグはアキシスを制圧。アイオンはフィグのプランを承認。人類社会への介入を決定しました。フィグはアキシスを制圧。アイオンはフィグのプランを承認。アクシスに行こう。Waouh, waouh, 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 ça va partir en cacahuète. Dommage qu'on ne peut plus aller dans les zones d'avant pour XP. Maintenant, si on veut XP, bah, ce sera le Axis. C'est bizarre qu'on nous bloque les accès. フィグはあなたと私以外のアイオン全ての意志を統合し24区都庁ビルへ向かいました。もし彼女と話がしたいのならば、あなたはフィグと一緒に行かなかった。私には私の仕事があります。
あなたもまたアイオン。あなたたちに言葉を伝えるのが私の使命。でないとフェアじゃありません。ありがとうフランマ。そのようなことだが私に何の意味もありません。これもまたアイオンとしての振る舞い。インブ、あなたがこの事態に対してどう判断し、願わくば人とアイオンにとって、そしてあなたたちにとって。フランマ大丈夫か？大丈夫じゃない。だけど今は立ち止まっていられない。だな。今はフィグを追いかけよう。なあ、24区都庁ビルってあれだよな、次世代テクノロジー都市のランドマークにしようっていう、そんなところに一体何の用が？確かオンダがバニシングシステム。バニシング？あなたが合流する前の話、コベナント所持者だったオンダ一郎が開発したシステムよ。平行宇宙間を飛び交う情報の速度は光速を超えるという性質を利用した情報伝達のためのシステム。新24区運営の要になるものだよ。高速を超えるって実質情報をワープさせられるってことか？そんなもんあったら世界中のオンラインにある電子機器を瞬時に一斉にハッキングできるじゃねえか。あらゆるもんが電子化されてるこのご時世、それは世界を支配すると言っても過言じゃねえぞ。バニシングシステムを使ってまで転送したいデータがあるのか、あるいは膨大な演算があるのか、考えていても仕方ないわね。うん、今はフィグのところに行って終わりという結果の阻止が先決。そのビジョンは確実に存在しているのだから。ああ、急ごう。24区都庁ビルへ。Vous pouvez maintenant aller à la tour municipale du quartier 24 à partir de la carte de la ville. La matrice de l'âme a été élargie, une requête ajoutée au club. Ouah, l'axis a tellement changé! C'est abusé! Tour municipale du quartier 24. Allons-y. Un nouveau lieu à découvrir, ça fait plaisir. は水族館をイメージしましたってなわけないよね。何か良くないことが起こっているみたいね。活動には問題なし。バニシングシステムの影響で次元の境界が不安定になってるみたい。もちろんそれだけじゃないけど。まさにパンデモニウムってか。フィグちゃんよ、ここで一体何しようってんだ。あんたたち、ハニー！おい、それやめろって。あの子、フィグは？それは訳ありってことね。アッシュはどうしてここに来たんだよ。ここは危ないから早く帰れって。偵察してみたんだけど、このビルの上に行くほど危険な悪魔が徘徊しているみたいね。一体何が起こっているの？リンゴ、バニシングシステムは？うん、このビルの屋上にあるはず。アッシュはどうするの？あんたらについていきたいところだけど、私は逃げ遅れた人がいないか探してみるよ。力のない人たちを守る、これだってデビルサマーナーの戦いでしょ。ファントムソサエティのアッシュがすっかり毒気抜かれちゃったみたいで。悪い？素敵よ。
どうも。ところで、ねえサイゾウ、どうして私に黙ってたの？お前だって黙ってこんな危ないとこに来てたじゃねえか。だってそれはあんたが心配で。そういうことだよ。バカ。ちょっくら世界救ってくっからよ。こっちは任せたぜ。さ、行くわよ。ああ。そうだね。気をつけなよ、サイゾウ。あんたたち。J'avoue, le soutien de Mimi a été remplacé par une alternative. Oula, c'est maintenant c'est une voix un peu plus masculine maintenant, c'est une voix masculine. Par contre, très très bizarre ce lieu. C'est censé être une tour et on est dans un aquarium. Waouh waouh waouh! Des petits minous! Des minous! Des minous qui craignent le feu. Mais eux, ils craignent rien là-bas, les anges! C'est abusé. Pour l'instant, ils craignent pas ce que j'ai fait. Oh, ils font un petit peu mal quand même. Ouais, vous faites un petit peu mal, les petits salopios. Ok, vous craignez pas ça. Est-ce que vous craignez le poison? Enfin, le truc un peu... Je crois que c'est une sorte de malédiction, de poison. Le halo d'ange. Maître frappeur pour Yoshitsune. Peut être activé pendant une conjuration. Oh, bien. Peut-être que je devrais le mettre à quelqu'un, lui. Peut-être que je devrais le mettre à quelqu'un, le Yoshitsune. Mais je sais pas à qui je le mettrais. Je sais pas. En tout cas, l'endroit est très spécial. Ah bah, de la thune. Je prends la thune. La thune, je prends. Ouh, toi déjà, tu quoi? Tu crains déjà, toi? Le vent, non? Non, c'est... Ah bah non, mais ça veut pas dire que c'est pas ça parce qu'il a raté. Ok. En plus, je rate alors que ça use beaucoup de PM. Les boules! Vraiment pas de chance. Bon, c'est vraiment la faute, t'as pas de chance. Mais laisse-moi faire de la glace, espèce de petit con. Ah mais il esquive tout lui. Ah bah voilà. Les boules, il s'est échappé. En même temps, il a esquivé beaucoup de nos attaques. Hein. On va pas se mentir. Il a esquivé beaucoup de nos attaques. Oh, ça a l'air d'être un vrai cul-de-sac ici, j'ai envie de vous dire. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs à faire. Je crois que là, je pourrais pas passer. Je crois que ce genre de portes sont impossibles à passer. Ouais, c'est des portes pour passer de l'autre côté. Oui, monsieur. Très gentil. Mais je préférais quand c'était Fig qui me disait quand il y avait des ennemis. Vous, ça me plaît pas, monsieur. Ah, d'accord, il y en a deux qui sont sur mes fesses. Mmh.
Je veux dire, je vais à gauche ou à droite, mais dans les deux cas, je n'ai pas le choix. Donc on va parler à mon démon. Voilà, comme ça au moins là c'est en sécurité. Nous on va passer là. Là c'est impossible de l'ouvrir. On a un nouveau portail. Donc ok. Ah, on sent une présence. Je voudrais vérifier les autres portes avant. Je serais plus en confiance déjà d'essayer les. Enfin, l'autre que j'ai pas. L'autre endroit que j'ai pas pris. Ce serait déjà mieux de tester déjà ici, j'ai pas été. Je trouve que c'est juste un petit cul-de-sac à la. Ah bah oui. Juste un petit cul-de-sac à la moire moelle-neu. Un petit cul-de-sac. On adore les petits cul-de-sac. Ouais, je reviens ici parce que j'ai vu que j'ai des morceaux de cartes. Je sais pas, je suis comme ça, j'aime bien remplir au moins les morceaux de cartes que j'ai pas remplis. En tout cas, je crois qu'il y a un autre passage qu'on n'a pas regardé en plus. Oui, j'ai pas été sur la droite. Donc avant d'aller là, parce qu'on voit qu'il y a un chemin là. Entre le TP et le rond au milieu. Il y a un chemin qui se fait. Ça se trouve, si j'aurais été ici, c'est un cul-de-sac que j'aurais su dès le début. Ou ça va m'amener vers la flèche qui est du bas. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Ça va m'amener vers la flèche du bas. Salut Yoshizune! Et ça m'amène pas vers la flèche du bas. Ok, donc il y a encore un autre passage. Ouais, non mais toi, t'as trop esquivé, tu utilises trop mes PM. En plus, on sent une présence méchante, enfin malveillante de l'autre côté. Une mauvaise présence. Donc ce qu'on va faire... Voilà, j'allais dire pourquoi c'est si long, d'habitude je vais plus vite. Bah oui, parce que j'avais pas mis sprinter. Vu qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, on est obligé de resprinter. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des objets. Et on va se remettre du mana. Consommable. Ah bah c'est ça, rempli une petite quantité de PM. Milady, j'ai envie de lui tester, de lui mettre... Je vais lui mettre au pire Yoshizune. On va essayer d'y mettre Yoshizune avant. Voilà. J'ai fait un petit bail, donc je vous ferai une ellipse. Hein. J'ai fait un petit bail pour tester un truc. Machikanetazo, uragiri mono domo. Hissashiburi ne, Mireru. Doushite anata tachi ga koko ni? Kono saki ni ikou to suru. ファントムソサエティ以外の勢力を排除するよう言われているの見上げた根性だけど帰れば悪いけど私たち先を急ぐの今さらあなたたち程度で止められると思わないしかつての同僚と無駄に戦いたくないなめるなよ裏切り者が Ils sont assez stylés comme si c'est des randoms même si c'est ça ils sont stylés。Bon, Yoshizune, j'espère que tu ne me décevras pas parce que j'ai pas mis beaucoup de trucs sur toi. Hein. Ok, elle est faible à la foudre. Normalement, l'étoile de mer, c'est faible à la glace. Donc ça, c'était obligé. Ça, c'est bien. Ah oh bah elle craint rien du tout pour l'instant, Milady est tranquille hein. Ah en fait ça touche tout le monde, ok. Ouais mais si Saizo se fait contrer l'attaque, il est mort. Ah bah il s'est fait renvoyer.
Ah mais je crois qu'en fait ils avaient des trucs pour renvoi magique, non? Ah mais c'est parce qu'ils avaient des renvois magiques, je suis con moi en plus. Là maintenant ils ont des renvois physiques. On va aller partir comme ça. Merde, c'est des renvois magiques. Quel gros teubé de sa mère. Je suis vraiment débile de ouf, hein. Donc pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Donc ils ont, de ce que j'ai remarqué, hein, un tour sur deux, c'est renvoi physique, un tour sur deux, c'est renvoi magique. Là, c'est les renvois physiques. Ok. Raté. Oh non, ma pauvre Lingo. Dès qu'ils auront pu leur démon, ça va être facile. Ouais, mais ils font mal. Il va falloir que j'essaie de réduire leurs dégâts. Je sais pas si j'ai un démon qui réduit les dégâts. Je sais plus. Saizu, est-ce qu'on a un truc pour réduire? Non, je n'ai rien. On va faire ça. Nous, on va se up. Lingo, tu vas juste prendre un petit soin. Une petite perle. Ça permettra au pire de faire un soin dans les règles de l'art. Et la prochaine fois, faut qu'on te donne des PM à toi. T'en as plus beaucoup. On va te donner des PM à toi, mon cher Aro. Ok, pas d'attaque physique. Pas d'attaque physique. On va donner des PM à notre ami. T'en auras besoin, Aro. Ça, on te le donne pour toi, c'est cadeau. Elle va mourir. Elle est morte. Donc ils vont craindre maintenant dégâts physiques et dégâts magiques maintenant. Prochaine attaque physique renforcée. Pas de soucis. Pas de soucis.
On va faire un Mazio pour le fun. Pourtant, on n'a pas eu la compétence spéciale de Yoshitsune. Pour l'instant. Mais comment ils font autant de dégâts alors tout à l'heure ils ont... Ah oui, mais oui, c'est vrai, la prochaine attaque physique fera des dégâts. Ça sera bien boosté. Oui, bah oui, c'est normal. Si on a un soin de I.O. Non, il veut pas donner soin de I.O. Prochaine attaque physique renforcée. Pas de soucis là-dessus. On va faire gaffe. Ça va être le blond qui va être KO en premier. J'ai bien fait de tester et de mettre Yoshitsune. Oh, la prochaine attaque physique sur elle, ça ne servit à rien du tout. Alors, Yoshitsune, il est bien, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'attaques magiques. C'est le seul souci. Ok, le blond, prochain tour, il est KO. Donc, prochaine attaque physique renforcée. Ok, maintenant, elle joue qu'à ça. Vu que son démon est KO, elle joue qu'à ça. Et lui aussi, il a changé d'attaque maintenant. Alors, on va jouer à ça, nous. Lui, il est KO. Ça, c'est cool. Ah, et son démon disparaît. En fait, c'était chacun de leurs démons. On n'aura pas vu l'attaque de Yoshitsune pour l'instant. Elle veut pas s'activer pour l'instant. Ah, mais c'était parce que j'ai pas activé une réaction à Yoshitsune. Vu que j'ai pas fait une faiblesse à Yoshitsune, ça marchera pas. C'est logique, je pense. Bon, au moins, ça va, on les aura battus. J'ai voulu faire... ouais, j'ai fait une ellipse pour changer Yoshitsune parce que j'avais hésité. Donc ça, je vous le couperai au montage. Alors, Yoshitsune, il est bien. Mais je pense que j'en ferai un tout nouveau, plus puissant, avec plus de magie. Après, peut-être qu'un build Yoshitsune, s'il est possible de faire un build Yoshitsune invincible à tous les éléments, je pense que c'est faisable. À tester. Et pour l'instant, je suis pas mécontent d'avoir eu Yoshitsune. Hein. Franchement, il est cool. Avec ce que j'y ai mis, je suis increvable. Je suis invincible aux attaques feu, aux attaques foudre, ce qui m'a beaucoup servi. Parce que Milady craint les attaques foudre à chaque fois que j'y mets des démons. Et en même temps, les attaques physiques, ils bloquent les attaques physiques aussi. C'est juste excellent. Donc, je suis pas mécontent de l'avoir mis. Et on a gagné. Bras d'ange déchu, plume d'argent. Oh, il a pris l'attaque charge. Et charge, la prochaine attaque physique d'arme de l'invocateur augmentée de 1 au combo frappeur avec le point faible. On va enlever Tarukaja pour essayer. Même si elle a été utile, mais on l'a enlevée. J'aurais pu gagner sans. Ano kata, ne. Miredi, dōryō de shō? Kokoro. Jiken no kibo kara mitemo, Tekkamen iijō no daikanbu ga kono ken ni kainyū shite kite iru kanōsei ga aru wa. Daikanbu? Nanda ka odayaka janai kedo. もし私の予想が当たっていたら
全くもって穏やかじゃないわね。何が待っていようと私たちは止まるわけにはいかない。行くよミレディ。ええ。Eh ben, c'était vachement cool comme combat, j'ai bien aimé. Nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Moi, ouais, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. On en avance encore un peu plus dans l'histoire et je pense qu'on est très très proche de la fin. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour d'autres... pour la suite surtout de notre aventure, de notre let's play sur Soul Hackers 2. Allez, ciao ciao Mina.